Bonjour, bienvenue dans cette méditation dans laquelle je vais vous guider. Je vous invite à rentrer progressivement, tout en douceur, à l'intérieur de vous et à accepter ces quelques moments de paix que l'on se donne dans notre quotidien. Installez-vous confortablement, en position assise, allongée ou en lotus, celle que vous sentez la meilleure pour vous à cet instant. Une fois que vous êtes prêt et bien installé, je vous invite à fermer tout délicatement les yeux et laisser aller votre corps et votre pensée, sans rien demander de plus. Juste être là, pleinement, à cet endroit précis, sans se juger, et apprécier l'instant tel qu'il est, et pour ce qu'il est. Se donner un peu le temps de respirer, de revenir à soi et à son souffle, pour plus de légèreté. Se recharger, pour mieux repartir ensuite dans notre vie de tous les jours. Alors, ressentons déjà tout notre corps détendu sur son support. Prenant une longue inspiration. Je ressens le poids de ce corps qui est très lourd et qui s'enfonce dans le sol, qui s'ancre dans la terre. On ne veut plus bouger. On est bien. On est comme collé au tapis ou au support. Et la pesanteur nous pousse à ne rien faire, juste à accepter ce poids qui fait partie de mon enveloppe corporelle. Je ressens ma lourdeur. Je l'apprécie. Je l'accepte. C'est un retour au corps que nous allons faire aujourd'hui, en prenant conscience de chacune de ces parties quand je vais les nommer. Je vous invite à les ressentir, à attirer votre attention sur ces endroits avec conscience, pour apprécier la détente qui va s'installer tout progressivement. Sans rien demander, sans rien forcer, juste être attentif à soi, à l'intérieur. Dès que vous êtes prêt, nous allons prendre conscience de la plante de nos pieds. Cette surface qui nous relie à la terre, de notre pied comme une racine, une membrane reliée au sol que nous foulons, que nous cultivons. Chérissons nos pieds. Prenons conscience de toute leur surface, de chacun de nos doigts de pied, de leur taille, comme de petits champignons au pied d'un arbre plein de vie. Sentons la douce mousse qui effleure nos pieds. Elle vient les chatouiller dans la rosée du matin. Le dessous et le dessous de nos pieds vibrent
au contact de ce doux vent de printemps, le long de nos chevilles, qui s'animent à leur tour en conscience, avec le talon tout rond comme un tourbillon de renouveau au niveau de nos mollets, qui se ramollissent et se fondent dans leur support. On se balade dans son corps. On prend le chemin de ses jambes, de ses tibias qui s'allongent, de ses genoux qui roulent, de nos articulations, qui nous permettent de nous sentir reliés d'une partie du corps à l'autre, de nos genoux ronds qui relient dans ce cercle nos muscles des cuisses, de ces grands muscles puissants et ronds qui sont les tiges fortes qui nous font courir, sauter, avancer. En passant par l'entrecuisse, si intime, si intérieure, comme le déploiement de deux ailes de papillon. On prend conscience du dessus de nos cuisses, pleines de rondeur, de vallon, de plaine, en remontant par la rondeur de nos fessiers et de nos hanches. Ressentons notre bassin qui s'ouvre de chaque côté, comme une fleur qui éclot dans toute sa lenteur. Notre siège, notre être. Laissons porter notre conscience vers le paysage de nos hanches. De chaque côté, en revenant par les côtés du buste à notre taille, en prenant conscience de notre ventre, cet endroit si particulier, plein de fertilité, de sources de vie, de petits organismes. Notre second cerveau qui nous nourrit, cet abdomen qui nous relie à notre respiration, qui se soulève à chaque inspiration et se relâche à chaque expiration. Mon ventre remonte et descend. Je sens le doux souffle de vie qui résonne au niveau de mon ventre, comme une petite colline, une petite dune en mouvement, ce mouvement doux et reposant. Cette dune nous berce, elle nous apaise. Et de cette petite colline, l'horizon nous laisse apercevoir notre poitrine. Cette poitrine élancée, ronde, forte, qui s'élève et se rabaisse dans une délicate vague, une douce vague de sérénité. Notre décolleté si fin laisse entrevoir le petit ravin de nos épaules qui se détendent à leur tour et se laissent transporter dans ce voyage corporel qui s'étend dans les confins de nos bras, de nos coudes, qui ressemblent à des perles. Ces perles qui relient nos avant-bras jusqu'au chemin de nos poignets, élastiques et si mobiles, qui relient nos mains au reste de notre corps. Prenons conscience de nos mains, nos instruments créatifs, tactiles,
communion avec notre être et le reste du monde. Nos doigts qui s'étirent, comme dans l'air d'un tissage premier. Cette liaison au toucher primordial. Ressentons chaque doigt, l'auriculaire, l'annulaire, le majeur, l'index et le pouce. Il s'agit là comme d'une carte, une boussole, des points cardinaux au creux de notre paume, nous montrant le chemin. Notre direction dans l'instant, de ce que l'on ressent, de ce que l'on touche, et de ce qui nous touche, en remontant par notre cœur, cette pompe que l'on peut sentir, battre, pulser, et qui résonne au plus profond de nous. Sentez-le, c'est un battement régulier et doux à la fois, serein, il donne le tempo de notre chanson intérieure. Puis, on peut voir notre dos, du bas de nos reins, en remontant toutes les vertèbres une à une de notre colonne vertébrale comme les branches d'un arbre pour arriver au sommet de notre être. Branche, vertèbre, sève de notre dos qui se redresse, droit, équilibré dans cette brise qui souffle jusque dans notre cou. Le derrière de notre nuque, comme caressé par les plumes d'un doux tapis duveteux, on est sur un petit nuage qui nous fait nous sentir bien jusqu'au début de notre cou. La dernière articulation jusqu'à notre tête, sur un oreiller de douceur. Nous avons accès enfin à notre visage et ses vallons. Entrons dans le paysage et la perspective de notre visage, comme dans un voyage, à la recherche de notre menton, tout mou, qui se décrispe comme une sorte de petit coton, un petit coussin tout rond, en cheminant par le côté de nos joues. Elle se détend. Jusqu'à nos mâchoires qui se desserrent pour laisser passer ce souffle que l'on goûte tant. Les joues tombent tout doucement, la langue aussi. Elle peut alors rejoindre le palais et la bouche s'ouvrir tout doucement, sans jugement. Le paysage se ramollit, se déforme, comme si une brume atteignait nos narines. Une brume apaisante, aux senteurs fleuries et parfumées, qui atteignent notre nez. Sentons ce doux parfum de renouveau en nous. Quelle douce sensation qui parcourt notre visage, qui s'illumine au contact de ces fragrances fines et qui viennent détendre nos tempes, comme une sorte de fleur qui s'épanouit doucement au contact du soleil, avec toutes ses formes ramifiées et colorées. C'est l'orchidée de nos oreilles. Prenons conscience de notre système auriculaire. Ce petit labyrinthe
qui parcourt notre oreille pour nous faire profiter de ce son si doux, de ce silence qui résonne au fond de nous. Prenons ce petit labyrinthe de notre oreille qui véhicule le son de notre vie. En passant par le lobe de mon oreille, comme une goutte d'eau prête à tomber dans le lac de mon inconscient, je laisse aller mes pensées. Je m'évade. Je suis sur mon paysage intérieur, dans le paysage de mon corps au repos, que j'observe avec un peu plus de distance et d'affection que d'habitude. Mes yeux se tournent vers l'intérieur, comme si un joli voile avait encore plus tamisé les couleurs autour de moi. Le soleil se couche. Je vois à l'intérieur de moi ce coucher de soleil. J'ai mes yeux qui tombent à l'intérieur de mes orbites. Ils ont le droit au repos aussi. Ils sont comme à l'intérieur de leur coquille, comme un petit œuf qui sommeille encore en attendant l'éclosion dans la chaleur de son nid protecteur. Dans le front où siège le ciel, dans lequel l'oiseau volera bientôt. Un siège sans nuages. Le ciel, lisse, poudré, légèrement orangé, rosé par le coucher du soleil, où de doux rayons de soleil sont venus illuminer notre journée. Ce paysage apaisé, ce front sans rides, sans crispation, qui monte jusqu'à la forêt de nos cheveux, aux petites feuilles de nos fils, nos cheveux. Ils sont emportés par le vent dans les cimes que l'on entend. Ils soufflent. C'est comme si on était perché au-dessus de nous. Notre conscience est avec ce petit oiseau qui a élu domicile dans notre chevelure au-dessus de notre tête. Il aime cette chaleur de tout notre crâne. On le sent qui respire dans notre souffle de vie, qui parcourt de paix notre corps, du bout de nos pieds jusqu'au sommet de notre crâne. Je suis le sommet de mon être, et j'ouvre mes ailes à cet oiseau qui m'emporte avec lui au-dessus des vallons et des paysages verdoyants, des forêts, des rivières, de l'air que je sens sur tout mon visage. Je vole au-dessus de mon corps. Je suis emportée dans ce paysage intérieur et je reviens. Je reviens ensuite à mon corps et à la terre. Je reviens tout doucement à la terre ferme en prenant conscience de mes mains, de mes pieds, de mon dos. Et je peux décider de les bouger tout tranquillement pour les animer, les aimer et revenir au monde avec un peu plus de légèreté, de paix et d'apaisement aussi. J'espère que ce petit voyage à travers votre corps vous aura plu. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ouvrir doucement les yeux, reprendre conscience de la pièce autour de vous, ne forcez rien, prenez conscience de votre corps, de vos sensations,
et je vous laisse dans ce petit espace de paix qui est à vous. Je vous dis à très bientôt dans un prochain voyage méditatif où l'on prendra de nouveau notre temps d'apprécier les paysages, ces paysages de la vie.